Bonjour à tous et bienvenue sur Fais Main Couture. Je suis ravie de vous savoir sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un vêtement de chez Fais Main Patron. Et oui, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble la blouse Capri qui est celle que je porte actuellement. C'est un petit débardeur tout simple mais avec une jolie ouverture au dos. Dans cette vidéo du coup je vous montre étape par étape comment réaliser vous-même chez vous le modèle. Allez, c'est parti. Pour réaliser la blouse Capri, il vous faut le patron de la blouse chez Fais Main Patron, 1 m de tissu en laisse 140 cm, 2 m de biais coton 9 mm, ton sur ton ou contrasté, du fil assorti et des ciseaux tissu. Si vous avez le patron pochette, récupérez la planche puis décalquez votre taille en fonction du tableau de mesure. Sinon, imprimez la version PDF, collez les feuilles comme indiqué dans le livret et coupez votre taille. Pliez votre tissu en deux, endroit contre endroit, et posez vos deux pièces du patron. Le devant au niveau de la pliure et le dos en face. Attention, respectez bien le droit fil. Sur le devant, nous allons créer les pinces poitrine. Pliez le haut afin de poser les deux crans de la pince l'un sur l'autre. Dirigez bien le tissu afin de voir le repère de fin de pince, puis cousez-les. Prenez vos deux dos et posez-les endroit sur endroit et assemblez le milieu dos à 1 cm jusqu'au cran. Nous allons créer les plis au dos. Pliez deux fois de 5 mm le bord du tissu, puis faites une couture à 1 mm tout le long. Maintenant que les bords sont propres, pliez les plis au niveau du cran, puis rabattez au bord. Faites un point de maintien à 5 mm. Récupérez le devant et posez-le endroit sur endroit sur le dos et assemblez l'épaule du côté gauche. Nous allons poser le biais tout le long de l'encolure. Insérez le tissu dans le biais et assemblez tout le long. Au niveau des plis, laissez un espace de 6 cm. Une fois réalisé, rabattez le biais à l'intérieur de la blouse et faites une couture à 1 mm du bord du biais. Posez la seconde épaule sur le dos et assemblez-la. Ensuite, tout comme le col, posez le biais le long des deux emmanchures.
Rabattez les biais à l'intérieur de la blouse pour avoir une jolie finition et faites une couture à 1 mm du bord du biais. Posez bien bord à bord et endroit contre endroit le devant sur le dos et assemblez les lignes de côté à 1 cm. Il ne vous reste plus qu'à réaliser votre ourlet. Vous pouvez le réaliser soit de 1,5 cm, soit rabatté 2 fois 0,7 mm. Et voilà, vous avez réalisé chez vous la jolie blouse Capri. Alors comme vous le voyez, c'est vraiment un modèle qui est facile à réaliser et qui prend moins de 1 heure, voire allez, maximum 1h30 pour le réaliser. Ce petit modèle est idéal pour la saison qui commence parce que oui, il va commencer à faire beau et chaud et c'est un petit modèle que vous pouvez commencer à porter dès maintenant jusqu'en septembre. Alors moi je me suis amusée à la réaliser en blanc mais également en imprimé comme celui-ci, mais je pense que je vais également peut-être le faire dans un uni mais un petit peu plus foncé pour changer du blanc. En tout cas comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un petit modèle qui est voilà, très confortable, très sympa. Moi j'adore et je pense que je vais le mettre très souvent. Vous retrouverez dans la description de la vidéo tous les liens nécessaires pour avoir le patron et éventuellement des possibilités de tissus que vous pouvez avoir avec des idées. Si vous ne savez pas avec quel tissu réaliser, Fait Main Patron propose également des box avec ce patron où dedans tout est fourni. Donc vous avez le patron format papier, le tissu, les fournitures et également le fil. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Dites-le moi en bas en commentaire et rajoutez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas. Si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, moi c'est Camille de Fait Main Couture et je suis ravie de vous savoir avec moi. En attendant, moi je vous retrouve sur mes réseaux sociaux et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto couture. Allez, ciao !